c'est David Cal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et là on se retrouve avec un énorme colis. Et c'est sans aucun doute le plus beau et l'un des plus gros projets que j'ai eu en 2016. Vous allez voir ce qu'il y a là-dedans, c'est juste génial. Avant toute chose, je tenais à vous dire que pour moi, voilà, ça c'était un des projets exceptionnels. Donc je vais vous demander voilà, des pouces bleus. Et oui, je vais le faire, je vais vous demander exceptionnellement de me casser la barre de pouces bleus. Et si on atteint les 30 000 pouces bleus, sachez que je rachèterai un deuxième objet, mais pas le même, qui sera comme ça, mais ce sera pas le même. Pour vous en faire l'ouverture, c'est une exclue française, c'est une exclue mondiale. Sachez que ce déballage n'a pas été fait une seule fois dans le monde. Cet objet qui se trouve là-dedans, cet objet Clash Royale, n'a jamais été fait autre part que sur ma chaîne YouTube. Et je suis vraiment super, super content. Alors, avant toute chose, sachez que ce colis m'a en tout coûté plus de 400 €. Que tous les liens sont dans la description si vous souhaitez investir. Dans cet objet, je vous fais... Bon, vous avez sûrement vu la miniature, mais voilà, que c'est quelque chose voilà, qui m'a coûté très très cher et que comme je vous l'ai dit, voilà, si on atteint les 30 000 pouces bleus pour ce projet qui selon moi est exceptionnel, eh bien, je réinvestirai dans un autre objet de ce style-là, mais pas le même. Écoutez, j'ai juste ouvert un petit peu le dessus pour être sûr que c'était bien ça. Et ce que je vais faire... Hop, c'est que clac, clac, et on se retrouve tout de suite avec l'objet parce que là, j'ai des mousses regardez, de tous les côtés. C'est ultra, ultra bien protégé. Je peux pas me lever parce que sinon, je suis hors champ et ça, c'est un peu dommage. Oh là là, écoutez, ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite. Je sors de sa boîte et on se dit à tout de suite. Je suis de retour pour ce déballage exceptionnel, cet exclu mondial, les amis, quel plaisir de pouvoir vous réaliser cela. J'espère que tout enregistre bien, que le son enregistre bien, sinon ce serait vraiment, vraiment, vraiment un drame. Alors, écoutez, je sais pas trop par où je vais commencer, allez, je vais déchirer un petit peu, c'est parti. On s'arrête 2 secondes et moi je vois déjà une partie de l'objet et ça va être juste incroyable, ça va être fou. Regardez-moi ça et non vous ne rêvez pas les amis, je suis bien en possession d'un véritable coffre légendaire et la plus belle surprise c'est que ce coffre est rempli de goodies les amis, il est rempli de choses exceptionnelles. Donc c'est juste incroyable les amis. Alors sachez que donc ce coffre il m'a pas été offert hein. Je l'ai vraiment payé plein pot. En revanche ils ont accepté de me le remplir gratuitement, de me mettre des objets vu que j'allais le déballer sur ma chaîne YouTube. Du coup on va ouvrir le plastique. Et vraiment ils m'ont informé de la conception. De toute façon je vais vous le montrer en détail. Vous aurez des photos. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont juste incroyables. Oh là 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 là, mais quelle beauté, mais quelle beauté. Oh là là, dans le décor, ça va être tellement parfait. Et voilà, il est entièrement déballé. Regardez-moi ça, les amis, on a un véritable coffre légendaire. Et vous ne rêvez pas, regardez bien la peinture, en fait. La peinture brille, c'est-à-dire que, comme le vrai coffre légendaire, eh bien, cela change de couleur. Donc on a un véritable coffre légendaire qui brille, ce qui est juste impressionnant. Et le plus impressionnant dans cela, les amis, c'est que regardez, regardez bien. Oh là 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 là, il s'ouvre, il s'ouvre. Oh, oh là là, oh, c'est magnifique, l'intérieur est même peint, c'est juste exceptionnel. Donc c'est une réalisation qui a été faite main. On va bouger le petit carton qu'il y a dedans. On va bouger. Oh là, oh là, oh là, j'ai failli jeter déjà des cadeaux. Alors hop, on va le refermer et on a déjà un premier cadeau juste ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce premier cadeau? C'est juste incroyable. Donc comme vous l'avez vu les amis, c'est un coffre légendaire donc de Clash Royale, fait main, donc par des artisans. Le coffre lui coûtait 292 € plus l'envoi des États-Unis, plus la taxe que j'ai eue à l'arrivée. Si voilà, si on casse les 30 000 pouces bleus, j'achèterai un super magical chest qui a déjà été fait en ouverture aux States. Mais bon, ça sera toujours super sympa. Alors, hop. Ou peut-être que s'il y a des nouveaux coffres, j'essaierai d'avoir une exclue encore sur un nouveau coffre. Qu'est-ce
qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Et regardez les amis, en fait on a une petite réplique de la bûche. C'est une bûche légendaire en fait, voilà, donc c'est la bûche. On a une réplique de la bûche, donc c'est assez simpliste, assez facile à faire. Enfin, il faut quand même savoir le faire, mais ça va, c'était cool. Donc ça c'est une bûche légendaire les amis, on va la mettre juste ici. Alors vous la voyez pas, bah même là vous la voyez pas, elle est un peu hors champ. Clac! Écoutez, on va continuer parce qu'il y a encore d'autres goodies exceptionnels dans ce coffre. Oh, oh là là, qu'est-ce que j'ai là? Eh ben j'ai un coussin, tout simplement. Donc écoutez, c'est super, incroyable. Un petit coussin, parfait, pour y poser quelque chose, pour y poser tranquillement quelque chose. Alors c'est juste exceptionnel. Ils ne l'ont pas beaucoup rempli, je pensais qu'il y aurait plus de choses. Je leur dirais, ouais, hein, je leur dirais. Mais regardez, le travail de réalisation les amis, qui est juste exceptionnel. De toute façon je vous mettrai des photos en fin de vidéo si vous voulez vraiment vous régaler. Donc ce qui est assez impressionnant quand même, c'est que déjà ça pèse son poids. Je vous le dis vraiment, quand je suis comme ça, ça me chauffe un peu. Le travail de réalisation est juste magnifique, très bien fait. Quand on l'ouvre comme ça, bah voilà, c'est juste tout ce qu'il y a de plus simple, il s'ouvre hyper facilement. Alors après, certains me diront ouais mais ceci, ouais mais cela. Alors oui bien sûr, si on regarde en détail, il y a toujours des petites choses à peaufiner. Il y aura toujours à peaufiner. Néanmoins de visu, il est juste incroyable. La peinture, le revêtement qui change de couleur comme ça, je trouve que c'est juste, bah, c'est juste magique. Voilà. Alors que vous dire d'autre? Et bien en fait ça c'est un projet que j'ai depuis comme maintenant plus d'un mois et demi en fait, qui a vraiment pris son temps. C'est-à-dire que j'ai contacté les artisans qui faisaient ça sur Etsy, le fameux site Etsy qui est dispo en description. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a aucun placement de produit les amis dans cette vidéo. Voilà, j'ai dépensé mon argent pour avoir ce coffre. Je vous cache pas que j'ai tenté de l'avoir gratuitement en leur demandant gentiment, mais ils m'ont dit que non, ils avaient trop de demandes. Je me suis juste assuré d'être le premier, la première personne au monde à pouvoir vous présenter ce coffre légendaire, parce que je me suis dit que ce serait une super exclue, que ça vous ferait sûrement très plaisir, et moi ça me fait très plaisir. Donc ce coffre, vous vous en doutez, il va finir dans la déco, dans la super déco, et vraiment c'est juste incroyable. Je suis ultra satisfait en fait. Voilà, je suis vraiment très satisfait du résultat. Je vous cache pas qu'à un moment j'ai eu un peu peur. Je me disais, oh là là, ça va quand même être compliqué, je m'embarque sur le coffre légendaire. Eux, c'est leur première réalisation du coffre légendaire, ils n'en ont jamais réalisé d'autres avant, donc c'était juste ouf. La petite bûche, c'est du bonus, le coussin, c'est du bonus aussi, du coup, c'est super, je pense que je les laisserai à l'intérieur, du coup, comme ça, c'est toujours sympa, tu ouvres, tu trouves la bûche légendaire, c'est assez, c'est assez emblématique, finalement. Alors, le coussin, je sais pas s'il existe vraiment dans le jeu Clash Royale, hein. Ça, j'ai pas encore demandé. Je vais envoyer un message à Supercell, leur dire... Wesh, il y a un coussin ou quoi dans votre coffre légendaire? Ok, malheureusement, il contient pas le sorcier électrique, hein, lui non plus. J'aurais bien essayé, mais ce coffre légendaire contient une bûche et pas un coffre électrique. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo va pas durer plus longtemps. Je vais vous prendre une ou deux photos, je pense. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Le coffre est énorme, alors je sais pas si on s'en rend vraiment compte ou non. En tout cas, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme, c'est vraiment dantesque. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas l'objectif, 30 000 likes et je commande le super Magical Chest. Et cette fois-ci, je m'arrangerai pour qu'il soit vraiment rempli de goodies, pour que la vidéo soit vraiment, vraiment, vraiment énorme. Merci les amis, merci. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Clash Royale.